Bonjour à toutes et à tous. Un dernier jeudi pour le compte du mois de février. Et je vous propose ce jour trois plateaux. Vous aurez bien-être avec Rebecca Sagboron qui nous propose des astuces pour finir totalement avec l'obésité. On verra ce que c'est dans quelques minutes. Nous aurons également comme deuxième plateau Regina Sani Djegun, la dame du relooking qui nous parle du sautoir, un inconditionnel, un intemporel de la mode. Nous aurons finalement le moment que vous adorez tellement, le vécu, avec des conseils sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous savez déjà, on ne fait pas le rendez-vous de midi sans de la bonne musique. La bonne musique, c'est ce que nous allons écouter tout de suite avec Don Metok qui nous propose Hongan. Dans mes talks, Mingoloya, Mingoloison, oui. Comment l'expliquer en français si ce n'est dire que nous, on est des hommes libres, c'est ce que je vais dire. Oui, on est libres, on dépasse tout ça. La maladie, ce n'est pas pour nous. La pauvreté, ce n'est pas pour nous. On est riche en joie ici, on est riche en bonheur. Et vous allez comprendre ce que je dis, on est riche, riche là. Vous verrez. Adia, bonjour. Yasmine, bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour à vous. Et
nous sommes encore là. Oui, Adja, aujourd'hui c'est le 29 février. Je t'ai déjà dit que tout le mois de février, là, c'est le mois de l'amour. Non? Et j'avais peur que vous rivalisez, en tout cas, avec moi, la mémé, quoi. Qui ça? La mémé, la mémé ne se néglige pas. Une concurrence si rude, là, qui va. Quoi? En tout cas. La mémé n'a pas envie de se négliger. Pas du tout. Oui, c'est des couleurs par ici. C'est riche en couleurs, ce plateau aujourd'hui. Jennifer Sativi, bonjour. Comment vous vous portez? Bonjour, Yasmine Damata. Bonjour, le plateau. Ça va. Ça va. Et vous? Je ne sais pas comment vous êtes arrangée. Il y a un mariage? D'accord. D'accord, d'accord. C'est heureux. Jennifer ne voit jamais un mariage. Tout est en détail pour elle. Non, mais tellement le rouge de Adja et de Regina sont visibles que après, voilà, j'ai plus fait le rapprochement. Regina, bonjour. Mon rouge et un accessoire, c'est pas trop, mais ça me marie parfaitement avec vous. Absolument. C'est pour ça que c'est beau à voir. ça va être quand même, hein. On ne sait rien du même. En tout cas, bien que je vous porte dans mon cœur. En tout cas, Regina, bonjour. Bonjour, Yacine. Alors, ça va? Ça va. Ça fait un moment qu'on t'a sur ce plateau. Oui. Bon, oui, pour le compte du jeudi au moins. Ah oui. Ça va, tu nous as rapporté des secrets, petites astuces. Oui, j'ai ramené beaucoup de choses. Et tout à l'heure, on va commencer. D'accord. Mais avant ça, nous avons également Rebecca Saboran, notre nutritionniste qui va conduire le plateau bien-être. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment vous portez? Ça va super bien, merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, en fait, le plateau. Ce que bonjour, j'adore, c'est cette dame. Vous n'avez rien remarqué? Rebecca, le petit modèle. Après le petit modèle. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est calme et souriante. Merci. Elle parle tout en souriant, posément. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il vous arrive de vous énerver? C'est très bien. Je suis sûre que oui. C'est avec le sourire que vous l'exprimez. Exactement. Ouais, elle se fâche très pas vite. Forcément. Exactement. Peut-être qu'elle se fâche rarement, mais quand elle se fâche. Ce n'est pas bon. C'est vrai ça? En tout cas, nous, on va vous fâcher aussi. Nous, c'est la bonne humeur, on va vous garder dans la bonne humeur. Et mes chers téléspectateurs, tout de suite, nous allons installer le plateau du bien-être. Et oui, dans Bien-être, Rebecca Saboran a décidé de nous parler, de nous donner des astuces pour finir avec l'obésité. Mais déjà, l'obésité, c'est quoi? L'obésité, tout simplement, c'est une accumulation excessive de la masse grasse au niveau de l'organisme. Donc, plus de gras qu'il n'en faut. Et pour savoir si on est en obésité ou pas, il faut prendre l'habitude de calculer son indice de masse corporelle. C'est rien de compliqué. Il faut juste prendre sa taille, connaître sa taille en mètres et connaître son poids en kilogrammes. Et pour calculer son indice de masse corporelle, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Avec qui on m'a fait l'essai sur ce plateau? Qui veut se donner? Qui veut faire l'essai? Mais quand on connaît pas le poids, comment tu veux faire? Ouais, le mètre, le pèse. Tu connais ton poids? Pas forcément. Tu ne connais pas ton poids, tu ne connais pas ta taille. Non. Si je vous dis le secret de Jennifer, tous les jours, Jennifer prend son poids. C'est elle qui dit qu'elle ne parle pas. Par contre, la taille, il y a très longtemps que j'ai. Et tu dis que c'est qui a sur votre passeport? C'est simple, hein? On ne va pas trop chercher. Depuis 2010. À un âge donné, la taille ne varie plus vraiment. Cette taille-là ne m'arrange pas, hein? Donc ça peut changer, bien sûr. J'espère. Ou bien, avec quelques 3 cm. Avec les chaussures. Oui, avec les chaussures. Heureusement. Voilà, heureusement. Non, la taille dont je parle ici, ce sont les chaussures. Voilà. Alors là, personne ne veut se donner à l'ici, parce que personne ne veut savoir s'il est obèse. Mais est-ce qu'on peut voir des personnes comme vous, avec votre morphologie, qui sont obèses? C'est bien rare. C'est vraiment. Parce que quand je calcule mon indice de masse corporelle, je suis dans la normale. Toujours. Donc les personnes sveltes sont toujours dans la normale ou bien. Maintenant, on va parler de malnutrition, c'est ça? Non, non. Il y a une spécificité.
Il y a certaines personnes qui ont la masse musculaire, qui ont plus de masse musculaire D'accord. que de masse grasse. Mmh. Donc chez eux, l'indice de masse corporelle seul ne suffit pas. Mmh. Et ces genres de personnes, c'est souvent les grands sportifs, mmh. ceux qui font développer leurs muscles. D'accord. Ils ont un poids élevé, mais ce n'est pas une accumulation de masse grasse. D'accord. C'est plutôt une accumulation. Du c'est muscle. Plutôt, oui, le muscle. D'accord. Voilà. Un développement de muscle. Du muscle. Mmh. Voilà. Et c'est souvent les grands sportifs, ceux qui prennent le poids, qui mmh. font des activités intenses, qui développent les muscles. Mais pour les sujets ordinaires, mmh. c'est souvent la quand on voit la morphologie, la personne est corpulente, voilà, c'est souvent une accumulation de la masse grasse. Et comme je le disais, pour savoir si on est en obésité, mm. quand on calcule son indice de masse corporelle, quand c'est supérieur à 25, vous êtes déjà en surpoids. D'accord. Et à partir de 30, on parle d'obésité. À partir de 35, on parle d'obésité morbide. Et c'est ce type d'obésité qui pourrait entraîner d'autres pathologies au niveau de l'organisme. Ouais. On n'en viendra pas, on ne sera pas à ce niveau, nous. Déjà, quelles sont les astuces pour finir avec l'obésité? Voilà. Pour dire au revoir, obésité. Au revoir, oui. Pour dire au revoir à l'obésité, vraiment, parce que l'obésité fait nid à plusieurs maladies. D'accord. Et d'abord, il faut identifier la cause de l'obésité. Ça, c'est la base. Mm-hmm. Si quelqu'un ne vous aide pas à identifier la cause de votre obésité et se met à vous donner des astuces, ça ne veut rien dire. Vous allez adopter ces astuces-là, mais bon, ce serait un peu comme de l'eau jetée sur le dos du canard. Oui. Ça ne va rien apporter. Mm. Il faut identifier la cause de l'obésité. Et l'obésité, quelles sont ces causes? L'obésité a plusieurs causes. Ça peut être génétique, l'obésité peut être génétique, mais j'ai l'habitude d'utiliser un proverbe, un dicton qui dit « Quand les gènes aiment le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Mmh. » C'est pas parce que je suis prédisposée à faire l'obésité que je vais forcément faire l'obésité. Mmh. C'est mon environnement qui va dire si je ferai l'obésité ou pas. Donc mon environnement, mon mode de vie, mmh. mon alimentation, etc. Mmh. Moi, par exemple, je suis prédisposée à faire l'obésité, ah. mais je ne suis pas obèse. J'étais sur le chemin de l'obésité, mais j'ai quitté. Voilà. Bon, on veut également quitter. Bon, j'ai pas dit qu'on veut. Je parle de tout le monde, quoi. Pas de moi personnellement. D'accord. On peut quitter. Voilà. Donc, identifier la cause, oui. comme je l'ai dit, plusieurs causes. Génétique, ça peut être déjà. Génétique. Mm-hmm. Mais quand, même quand c'est génétique, il y a une part d'alimentation. Toujours. Notre alimentation nous crée beaucoup d'ennuis quand on ne sait pas s'y prendre. Donc, le mode de vie alimentaire. La sédentarité peut également favoriser l'obésité, le fait de ne pas faire l'activité physique, le fait de ne pas bouger. Il y a des traitements médicamenteux qui peuvent favoriser l'obésité. D'accord. Voilà. Et également, le stress peut favoriser l'obésité. Ah oui. Il y en a, quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Mmh. Surtout ceux qui parfois quand même font une dépression, voilà. ça donne à beaucoup de sucreries, manger beaucoup de chocolat, voilà. et finalement on devient énorme. Oui, et mieux, il y en a quand ils sont stressés, ils ne mangent pas. Mmh. Et ils jeûnent en quelque sorte. Ne pas manger, c'est un jeûne. Or, le jeûne est aussi un facteur de risque de l'obésité. Comment D'accord. ça? Je veux bien comprendre également. Oui. Ne pas manger peut nous donner encore plus de poids. Pourquoi? Oui, sur le long terme. D'accord. Sur le court terme, le jeûne peut favoriser une perte de poids. Mm. Mais sur le long terme, le jeûne va favoriser une prise de poids. Parce que quand je jeûne, je prive mon organisme. L'organisme n'aime pas ces genres de privation-là. Donc, il va mettre toutes sortes de mécanismes en place pour compenser le vide qui avait été créé. Mm. Donc, l'organisme vous amène à manger beaucoup plus après les moments de jeûne. Wow. Et même si vous vous abstenez, vous mangez raisonnablement. Mm. Puisque pendant les moments de privation, il a fait recours à ses réserves. Mm. Désormais, il fait plus attention aux réserves. Mm. Normalement, quel que soit ce qu'on mange, l'organisme doit mettre une petite quantité de côté. Mais puisque vous le soumettez à des privations et il fait tout le temps recours à ses réserves, désormais, même quand vous mangez un peu, au lieu de mettre un peu de côté, lui, il prend l'habitude de mettre beaucoup de côté. Mmh. Bon. Voilà, parce qu'il se... Démoné, mais non, c'est pas démoné. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes dire
Je ne mange pas beaucoup. Mais je mange à peine une fois ou deux fois par jour et je prends du poids. Mais voilà, telle personne à côté de moi qui mange 5 fois, 6 fois par jour, et là, on ne voit même pas sa souris. Hein? Ouais. On dirait qu'il mange dans les eaux. Là. Voilà. Voilà, les privations favorisent une prise de poids sur le long terme. Alors, je peux poser une question? Non, pas de questions. Ah, pas de... Okay. Ah oui. Comment on peut nous jeter le tout comme pas ça? De pas questions. De questions. Quand Laura finit, vous allez poser des questions. Là, tout de suite, comment finir réellement? Quelles sont les astuces? Parce qu'on connaît avec certaines causes. Et comment finir avec l'obésité? Quelques astuces. Ok. Aujourd'hui, je vais parler juste de 5 astuces. D'accord. Voilà. Premièrement, il faut faire une liste des aliments superflus. C'est clair que quand nous faisons la liste de tout ce que nous mangeons, quand on est en surpoids, c'est clair qu'il y aurait des aliments en superflu. D'accord. Donc il faut faire une liste pour savoir qu'est-ce qui est inutile dans mon alimentation, qu'est-ce qui ne m'apporte pas vraiment, des grignotages et autres. Donc faire une liste. Et deuxième chose, il faut faire un planning alimentaire. D'accord. Quand je ne planifie pas mes repas, je ne pourrai pas me donner de nouveaux objectifs pour dire attention dans mon alimentation, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. Quand il n'y a pas une planification et puis c'est le matin, bon, je dis qu'est-ce que je vais manger ce matin maintenant, je me mets à réfléchir et je concocte quelque chose rapidement là. Je vais toujours négliger mon alimentation, je ne vais pas toujours bien faire. Parce que pour bien faire quelque chose, il faut bien organiser. Donc il faut prendre l'habitude de planifier nos repas de la semaine. Et en dehors de ça, il faut inclure des aliments santé à chaque repas. Parce que quand je prends le temps de planifier... C'est toujours dans le planning ou c'est un autre point? Un autre point. Troisième chose, inclure des aliments santé. Quand je décide de planifier, en planifiant, je peux dire, bon, il y a tel aliment qui apporte du bien à mon organisme, je vais l'intégrer à tel repas, à tel repas, à tel repas. C'est la planification qui me permet d'intégrer des aliments santé. Et les aliments santé, c'est souvent les fruits, les légumes, les céréales à grains entiers. Voilà, donc intégrer tout cela dans notre alimentation. Et le quatrième point très, très important, il faut se faire accompagner par un nutritionniste diététiste. Parce que le nutritionniste diététiste pourra vous aider à bien identifier la cause de l'obésité. D'accord. À votre niveau. La cause de l'obésité chez un monsieur Y ou chez une madame X ne serait pas la même chez un autre. Donc, les causes sont différentes. C'est le nutritionniste qui pourra vous aider. Et mieux, le nutritionniste pourra vous aider à calculer vos besoins nutritionnels. D'accord. Ce dont j'ai besoin, ce dont mon organisme a besoin en une journée n'est forcément pas la même chose que ce dont vous avez besoin en une journée. Ça, c'est clair. Voilà, parce que nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même niveau d'activité physique. Nous n'avons pas la même envie. Nous n'avons pas les mêmes préférences alimentaires aussi. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour calculer les besoins nutritionnels et indiquer les quantités qu'il faut pour maintenir un équilibre entre ce dont nous avons besoin et ce que nous apportons à l'organisme. Quand cet équilibre est maintenu, facilement, le poids descend. Et la cinquième chose, il faut cultiver la patience. La patience parce que on ne perd pas du poids drastiquement. Quand vous perdez du poids drastiquement, vous créez d'autres ennuis sanitaires sur le long terme. D'accord. Ceux qui vous promettent perdre 10 kilos en un mois, c'est dangereux pour votre santé. Est-ce que c'est vrai, ça marche déjà? Ça marche chez certaines personnes. Mais dès qu'ils arrêtent, ils prennent encore les 10 kilos, ils prennent même 20 kilos. Ah. Ils en prennent plus. Donc, c'est mieux d'aller progressivement. La norme de perte de poids, c'est entre 1 et 2 kilos par mois. Massi, c'est 3. 4 kilos, c'est déjà même trop. Perdre 4 kilos en un mois, c'est déjà même trop. Il faut aller tout doucement, il faut être patient. Et puis, on perd du poids progressivement. Et c'est beau à voir aussi. Ça s'adapte à la silhouette. Mais quand on perd du poids de façon drastique, c'est vilain à voir, c'est pas joli. On a l'impression que la personne, c'est une momie qu'on a. Oui. Alors, on peut poser la question?
Jennifer, vous savez que c'est le temps. Il y a Regina. Donc, nous ne pouvons pas, d'accord. On sacrifie votre rubrique si vous ça êtes. Ça ne me dérange pas. Parce d'accord, que... alors là, posez là. Des questions. Alors, d'accord. Moi, c'est par rapport au jeûne. On nous recommande par contre le jeûne intermittent. Est-ce qu'il y a une différence entre jeûne intermittent et jeûne tout court? Et quand vous parlez de jeûne, c'est quoi la durée? Parce que vous avez parlé de à court terme et à long terme. Le jeûne intermittent, sur le long terme, sera un facteur de risque de l'obésité. D'accord. Parce que quand je fais un jeûne intermittent, c'est clair que je prive mon organisme. Et quand on prive l'organisme va chercher à compenser après. D'accord. Le mieux avec les patients, quand je veux aider mes patients à perdre du poids, ils mangent régulièrement 3 repas par jour et 2 collations. Ça fait 5 fois par jour qu'ils d'accord. mangent, au moins. D'accord. Moi, j'en venais là. Donc, en fait, on ne doit pas prendre plus de 3 repas par jour ou on peut prendre plus de 3. En réalité, dès qu'on a faim, on doit manger. Dès qu'on a faim, on doit manger. Donc, si j'ai fait 10 fois, je dois manger 10 fois. Mais en portion. Maintenant, hein. C'est la portion qui fait la différence. Voilà, c'est la portion qui fait la différence. OK, donc, je dois calculer la quantité que je dois prendre si je veux perdre du poids, c'est ça? Oui, et là, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est un nutritionniste qui vous aide à calculer et vous okay. saurez ça. Si je t'écoute, permets-moi de te tutoyer. Oui, allez-y. C'est que si, rien que l'alimentation peut me faire perdre du ventre. Tout à sans fait. Le sport. Non. Ben oui, mais c'est bien de faire le sport. Donc en le fait, sport... non, je veux savoir. Donc, j'ai pas besoin de faire du sport pour perdre du ventre. En fait, le sport, nous faisons le sport pensant que c'est le sport va nous aider à perdre du poids et négligeons l'alimentation. C'est un faux problème. Okay. Pour bien perdre du poids, il faut veiller sur son alimentation. Le sport est là pour nous permettre d'être en bonne santé. Le sport a beaucoup de rôles à jouer, soumettre le cœur à des activités plus intenses, faire beaucoup de choses au niveau de l'organisme. Mais quand on parle de perte de poids, là, c'est l'alimentation. Ok. C'est uniquement l'alimentation. L'alimentation. Perte de poids. Mais fini avec l'obésité aussi. C'est la même chose. Voilà. Mais il faut... il y avait déjà des graisses. Et pour finir, je pense c'est le sport qui va faire brûler ces graisses. Non, elle a dit qu'en ayant une bonne alimentation, Progressivement, comme on le dit. Vous êtes nutritionniste, mais... Yassine. Laissez-moi poser la question à notre nutritionniste. Mais le sport, je pense qu'avec le sport, on brûle des graisses. Donc, ajouter le sport en plus de l'alimentation. Qui vous l'a dit? J'ai dit, fait, c'est pas comme ça que vous ne pouvez pas faire le sport. Laissez-la nous dire. Est-ce que, en plus de l'alimentation, le fait d'ajouter le sport peut également aider à libérer les graisses pour ne plus en ajouter? C'est très bien d'ajouter le sport pour bien éliminer. Maintenant, voilà. Il y a certains sujets qui ne sont pas en mesure de faire de l'activité physique et qui comme sont... Jennifer. Donnez les hommes. Dites-le. Non. Merci. Dites Jennifer. Non. Pas du tout. Non. Ils ne sont pas en mesure de faire l'activité physique à cause de leurs conditions. C'est-à-dire quoi? Il y en a qui ont tellement pris du poids, même pour marcher, c'est compliqué. Avec ce genre de sujet, où il y en a qui ont des inflammations ou bien ils ont des douleurs et à cause de l'obésité et n'arrivent pas à faire le sport. Avec ces genres de sujets, c'est avec l'alimentation on évolue. Et après, quand ils perdent du poids jusqu'à un niveau donné, ils peuvent reprendre avec l'activité physique. Mais pour ceux qui estiment qu'on peut perdre du poids rien qu'avec le sport? Non, c'est pas évident. Si vous allez perdre du poids avec uniquement le sport, ce serait une activité physique intense. Ok, un peu comme le cardio, etc. Et quand vous faites l'activité physique, des activités physiques intenses, c'est pas évident de maintenir ça sur le long terme. Et dès que vous arrêtez, tout ce que vous avez perdu là s'installe à nouveau. En réalité, il faut aller toucher les causes, corriger les causes, maintenir un équilibre et puis tout est joué. Merci beaucoup, Rebecca Sagbon. C'est tellement intéressant. Tout le monde veut finir avec l'obésité. On voit Regina même sacrifier sa rubrique. Elle dit non, on ne parle pas mot, on ne peut pas. On looking aujourd'hui, là, c'est nutrition. Rien. Et oui, chers téléspectateurs, c'est fini pour le bien-être. Et ce qu'on va faire comme ici, c'est de passer au vécu. Et oui, le vécu de ce jour, Jennifer nous propose l'histoire d'une anonyme dont le beau-frère veut prendre en mariage après la mort de son mari. On écoute son témoignage et on revient.
grand frère de mon défunt mari me veut pour épouse? Je suis angoissée au point de faire même une dépression. En effet, je me suis mariée il y a de cela 3 ans avec un homme merveilleux. Nous avons un enfant ensemble qui a 2 ans. Malheureusement, le sort n'a pas voulu que mon mari et moi restions ensemble longtemps. Il est malheureusement décédé suite à un accident de circulation. Les obsèques se sont bien déroulées. Je suis encore en train de faire le deuil. Mais la famille de mon mari a décidé que je dois devenir la femme de son grand frère, qui pourtant a déjà une femme. Pour eux, c'est une tradition et il n'est pas question que je ne respecte pas cela. Ma famille s'est opposée, mais ils maintiennent leur position en leur disant que je suis encore jeune et que mon beau-frère doit m'entretenir et aussi surveiller les biens de son frère. Ils disent aussi que ma famille a reçu la dot et donc que j'appartiens à leur famille. Actuellement, nos deux familles sont à couteau tiré et les tensions commencent vraiment à m'épuiser psychologiquement. Ma véritable peur est qu'au milieu de tout ça, les membres de la famille de mon mari commencent à me menacer de mort et soutiennent que selon leur tradition, ma désobéissance pourrait provoquer ma perte ou le décès de mon fils. Je ne ressens aucune attirance pour le grand frère en question et il est hors de question que je l'épouse. Mais je crains beaucoup pour la vie de mon enfant. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour me sortir de tout ça. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Et oui, l'anonyme aujourd'hui n'est pas allée trop dans les détails, mais elle a carrément laissé son témoignage. Rebecca, vous avez suivi comme nous le témoignage de cette dame qui est veuve et son beau-frère voudrait la prendre en mariage. Elle demande des conseils. Vous lui donnez quels conseils, vous? C'est bien dur. Et oui, c'est tellement dur qu'elle a voulu qu'on nous la conseille. Comme conseil, c'est tellement dur. Ben Rebecca, Sonny, Diego, Regina. Oui, Regina. J'ai dit Regina. Merci. C'est quoi? Allons-y. Ah, j'ai dit Rebecca, Sonny, Diego. Ah, autant famille. Bon, de Rebecca, Rebecca, c'est ça. Bon, Regina, Sonny, Diego. Votre avis par rapport à notre anonyme. Comme elle a dit, c'est un sujet rocambolesque, j'utilise oui. Le mot là, dit d'un film. C'est pas oublié, hein. En tout cas, moi, je pense que c'est une pratique qui a dans notre société. Mm. Mais moi, ce que je dirais à cette jeune dame, oui. Si on pouvait lui poser la question, j'allais lui demander si elle est bien assise spirituellement. Mm. Parce que ça sera facile de lui dire « Non, ne te marie pas. » Mais le monde physique est régi par le monde spirituel. Ça D'accord. sera compliqué à gérer spirituellement. Donc moi, je dirais, si elle n'est pas assise spirituellement, ça sera compliqué. Elle sera obligée de rester. Parce que partir sans être assise spirituellement, voilà qu'on lui dit déjà qu'elle va mourir, que son enfant va mourir. Parce que la famille va forcément faire appel aux forces occultes pour pouvoir gérer ce problème. Ça, c'est le premier cas. Et la seconde chose, elle a parlé de bien de, ça, de son mari. Oui. Moi, je dirais, c'est pour ça qu'on dit, ça c'est un conseil entre guillemets qu'on donne aux jeunes filles. C'est important d'être autonome financièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre au crochet du mari à 100%. Parce que je suppose que si elle a quelque chose, elle peut refuser tous les biens. C'est-à-dire, si je dois me marier pour qu'on gère le bien, je refuse tous les biens et je m'en vais. Maintenant, si ce n'est que les biens, si elle refuse, on peut la laisser partir. Elle va reconstruire sa vie. Oui. Et si elle a un boulot, elle peut reconstruire sa vie et partir. Parce que elle a dit qu'elle n'aime pas le monsieur. Moi, je ne la vois pas dans ce foyer-là. Donc, elle reste si spirituellement, elle ne peut pas assurer. Si spirituellement, elle peut assurer, elle part. Et elle prie beaucoup et elle le laisse leur bien. Elle a le temps de reconstruire sa vie et de faire, d'avoir elle-même ses biens. D'accord. Moi, c'est ce que je peux dire pour le moment. Bon, Rebecca, je reviens sur vous. Je passe pour Jennifer. C'est bon, vous avez pu digérer l'histoire. Oui, bon, je pense que tout dépend aussi de son niveau de maturité, de son
comme madame l'a dit tout à l'heure. Madame Sonny. Oui. C'est bon. Voilà son background spirituel parce que elle peut dire non et beaucoup de choses pourraient en découler. Donc il faut qu'elle soit aussi bien assise spirituellement. Et si elle a un moral fort, un mental fort, elle pourra dire non et ce serait non. Mais si elle n'a pas une maturité donnée, elle n'a pas un mental fort, elle n'a pas un pouvoir de décision, elle n'a pas... Tout dépend du contexte aussi, du contexte social, donc de l'environnement, de la famille dans laquelle elle vit. Là déjà, ça vire au conflit entre deux familles. Voilà. Jennifer Sativi, quelque chose à dire? Bon, moi, je dirais d'abord que Regina et Rebecca ont raison, parce que c'est plus un combat spirituel que toute chose. Mais moi, vous savez, moi, je suis un peu accro à ma liberté. Moi, je ne pourrais jamais vivre une vie, en fait, que je ne veux pas. Je ferai la dépression et je crois que je vais mourir, en fait. Donc, très sincèrement, je ne pourrais... C'est pas l'extrême, moi-même. Je deviendrai l'ombre. Pas l'extrême. Oui. Même si je n'ai pas... Oui, oui, parce que je ne pourrais pas. Vous imaginez, peut-être déjà le dégoût va s'installer. Elle aura de la haine pour cet homme et pour cette famille. Elle ne pourra pas être assez épanouie pour donner de l'amour à son fils. Moi, je ne lui conseillerais pas de partir parce que je ne sais pas comment elle est. Si elle sait qu'elle peut gérer, mais qu'elle toi, parte. Moi, je serais partie. Ah, tu serais partie. Tout de suite. Tu laisses les biens, ou bien. Évidemment. Oui, tu prends ton enfant et puis tu fermes évidemment. La porte. Oui, parce que je pense monsieur que mon beau-frère, vouloir, oui, vouloir c'est pouvoir. Hein, même si tu vends, je ne sais pas, du pied water, tu peux te faire un peu de mais sous. Elle l'a dit, hein, tu l'as dit, tu as dit, toi, tu ne peux pas vivre cette je vie. Je ne pourrais pas. Oui, parce que... Il y en a qui peuvent vivre ça. Oui, il y en a qui elle peuvent. Elle a dit, donc. Si elle vit, elle va mourir. Donc, mais c'est pas c'est elle qui va mourir. Subir, en fait. C'est elle qui va mourir. Elle ne mourra pas, elle va subir. Mais on ne vous souhaite pas ça. Hein, non. De toute manière, ce n'est pas son cas. D'accord. Adia Sociat. Comment la tout le monde est là. Elle est là. Voilà notre veuve. C'est une pratique ancienne. Ça se passait du temps de nos vieux parents, des anciens, je vais dire. Du temps de Simon Timprand, comme on le dit. Ce n'était pas une mauvaise pratique en soi. Ce n'était pas une mauvaise pratique en soi. Si vous regardez dans vos familles, chez moi en tout cas, nous avons des frères, des cousins, je veux dire, des cousins, qui ont des cousins, mais qui sont de même mère. Ce n'est pas mauvais. Le grand frère, le petit frère, après, le grand frère est décédé, et le petit frère prend sa femme, et c'était pas cousins, si mauvais. Des gens qui étaient censés être des cousins sont devenus, sont aujourd'hui des cousins, mais qui sont des frères, des frères utérins. Oui, mais Adia, vous dites. Yasmine, j'en viens. Oui. Faut pas, je dis, ça se faisait. Et je dis, c'est pas une mauvaise pratique en soi. En quoi c'est pas une mauvaise pratique? Aujourd'hui, ben quoi? Quand ben regarde dans ta famille, Yasmine, c'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise pratique. On ne va pas jeter notre culture aujourd'hui pour dire ça se faisait, ce n'était pas mauvais. Aujourd'hui, parce qu'en ce temps-là, on peut donner en mariage. Aujourd'hui, il y a tellement de liberté que nous nous sommes créés que je dirais à la dame, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si toutes les personnes qui reçoivent des menaces de mort devraient mourir, il n'y aura plus personne dans cette ça, c'est clair. Vie. Mais comme le disent les autres, il faut prier. Il faut prier. Il n'y a rien. Dans leur affaire, là, c'est une fausse affaire. Dans notre pratique ancienne que je décrivais, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le grand frère qui prend la femme du petit frère. C'est le petit frère qui prend la femme du grand frère. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui pour celles qui veulent. Elle a dit, je n'ai aucun sentiment. Pour celles qui veulent. Oui, moi j'ai vu. Et elle on n'imposait pas. Dans ma communauté. On n'imposait pas, non? Oui, on imposait. Avant, je ne sais pas si on imposait, mais les femmes étaient très prêtes à accepter ça.
Oui. En fait, ça n'étonnait personne. C'était la normale. C'était la normale. Aujourd'hui, je dis, nous sommes donnés cette liberté et nous assumons. Heureusement. Nous assumons. Si tu regardes, Yasmine, j'ai dit dans notre communauté, encore aujourd'hui, j'en connais tout de suite. Son mari est décédé il y a à peine 2 ans. Elle est avec un monsieur qui est le cousin de son mari ou bien le frère de son mari. Et puis elle vit bien. Celle-ci dit, je ne me sens pas dedans. Qu'on aille vers ce sujet, quand cette dernière épouse le cousin de son mari ou le grand frère de son mari, elle a dit qu'elle aura des enfants avec ce dernier également, c'est ça? Oh, bien sûr, j'ai dit, ça existe. Je ne sais pas. Moi, j'en ai dans ma famille. D'accord. Des frères utérins qui sont des cousins. Tu comprends? Ils sont des frères utérins, mais c'est des cousins. Ils sont dans la même famille. D'accord. Ça existe. Ça existe. Ça court même les rues. Dans nos grandes familles, aujourd'hui, nous disons, nous donnons une certaine liberté et on ne doit plus forcer quelqu'un à le faire. Exactement. Elle a dit, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Est-ce que nos amis, là, c'est la famille, voilà quelqu'un à qui nous avons donné la dot, qui est resté juste 3 ans avec notre garçon qui est décédé. Notre garçon a laissé des biens. C'est ça. Tout. C'est les biens. Et elle va partir avec ces biens-là, avec un seul enfant. Donc, nous devons partager les biens. Comme ça, si elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Voilà. Partir, mais partir, quoi. Et oublier les biens. Si elle n'oublie pas les biens, je ne sais pas où ça se passe. Elle peut appeler l'INF au secours. Si c'est au Bénin, ici, ce que ça se passe, elle appelle l'INF au secours, mais il faut qu'elle parte. Qu'elle parte vraiment de façon désintéressée pour vivre, refaire sa vie à elle. S'ils tuent le garçon, c'est leur progéniture. Ils n'ont qu'à le tuer. Mais il faut qu'elle prie. Il faut qu'elle prie. C'est-à-dire, elle doit partir avec un certain esprit de détachement. Ça, là, je pars. Elle vient de faire un mariage 3 ans. Elle a toute la vie devant elle. Elle a tout le temps devant elle pour refaire sa vie. Mais elle doit prier. Mais j'ai dit, les menaces là, c'est vrai qu'il faut en avoir peur. Mais je vais le redire, si tout le monde, toutes les personnes qui sont menacées de mort dans cette vie, dans ce monde-là, il y en a tellement qu'il n'y aura plus personne sur la terre. Je suis à 100% d'accord avec vous. Adia, vous avez une belle robe. Merci Yasmine. D'accord. Ah, ça me tue. Je voudrais. Oui. Je ne sais pas si notre jus d'ananas est là. On va le citer en l'honneur de quelqu'un. Avant de finir, oui. Je voudrais dire un grand merci à quelqu'un. Quelqu'un qui nous a écoutés la semaine dernière sur ce plateau et qui nous a demandé qu'est-ce que nous allons boire. J'ai dit du jus d'ananas et il nous a offert le jus. On lui fait un petit banc quand même. Merci. Malheureusement, il a requis l'anonymat. Oui. Merci à toi si tu donnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a aimé ce que nous avons dit ici la semaine dernière et il a dit vraiment. Je voudrais payer ça. Il faut préciser qu'il a aimé tout ce qu'on a dit, mais il a particulièrement aimé la vie, la position de Adia. Yasmine. Oui. Yasmine. Il a quand même le droit. Bon, je dirais même beaucoup de mamans approuvent la vie de Adia. C'est souvent les jeunes filles, les jeunes d'Adia disent non. Voilà. Il a failli créer la jalousie. S'il ne l'a pas créé. Après, il a créé. Merci à notre anonyme. C'est très gentil. C'est plaisant de savoir que vous êtes toujours là à nous suivre, à écouter nos avis sur ce plateau. On va poursuivre les conseils. Jennifer, vous avez quelque chose à ajouter à notre anonyme pour vite finir? Non, voilà. Je voulais juste rappeler que la loi interdit le lévira. La loi interdit le lévira, peut-être dans les cas où il y a forcing. Si une jeune dame se rend compte qu'elle a des sentiments pour son mari qui est décédé, pour le petit frère ou le grand frère ou le cousin de son mari qui est décédé, ils s'arrangent entre eux, ça c'est autre chose. Mais lorsqu'il y a imposition de la famille, c'est déjà un délit. Et il y a non seulement l'INF, il y a beaucoup d'ONG, il y a le ministère des Affaires sociales. Donc on ne conseille pas aux femmes de faire le lévira. Mais si elles ont des sentiments pour les frères de leur défunt mari... De prendre de force. De force, exactement. Ah, si mon Dieu,
je touche du bois. Oui, touche du bois. Je touche du bois. Touchez bien le bois, hein, Adja. Non, je ne sais pas. Si, pas vous, pas si moi. Si elle avait des sentiments pour le monsieur, elle est libre. Elle ne viendrait pas. Mais, nous, Adja, ça Adja. Va se passer Adja, de façon... Est-ce qu'on ne va pas penser que c'est lui qui a tué son frère pour prendre sa femme? Mais non. Non. Mais non, la dame est déjà une veuve. Et au lieu de l'aider, hein, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui épousent les veuves, mais qui ne les prennent pas réellement pour une femme, ne couchent pas avec elle. Mais ils prennent juste cette femme juste pour. Voilà, reste dans la famille. Une jeune dame. Si voilà. La prend, mais là maintenant. Elle va pas rester là seulement, hein. Est devenue l'épouse de... Oui, bon. Forcément. Et maintenant, elle n'est pas du tout d'accord. Elle ne veut pas du tout. Donc, voilà. Mais il faut qu'elle ait quelque chose pour ses enfants. Ce petit enfant doit aller... Oui, ce petit enfant doit aller. Oui. Souffrons que... Si le bien est au nom de... C'est au nom du monsieur, du disons. Monsieur, ça va être difficile pour la famille de se débarrasser du bien. Si elle appelait quelqu'un au secours. Mais... Il faut qu'elle prie beaucoup. Parce que il y a rien qui force les gens à dire tu restes ou tu ne restes pas, c'est le bien. Si c'était un monsieur. Donc c'est toujours rien. On ne va pas la forcer. Mais si, donc si on ne se souciera même pas de quoi le petit garçon va manger. Donc, si on comprend mieux, Adja, c'est parce qu'il y a souvent des biens à acquérir. C'est bien ça. C'est pour ça. Ça dit qu'on n'a pas idée de ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui. Quelqu'un m'a raconté hier qu'un monsieur est décédé et c'est son frère. Il est un prêtre. Je ne connaissais même pas encore cette histoire. Quand on discutait de quelque chose hier... Elle m'a dit, le monsieur est décédé et c'est son frère, prêtre, qui est venu dans la maison pour dire à la dame de sortir. Carrément. Donnez-moi. Je dis, qu'à cela ne tienne. Donc, en tout cas, quel que soit ce qu'on dit. Mais avant d'être prêtre, il est un homme. Ça existe dans nos communautés et on doit lutter contre ça. On doit lutter contre ça. Et ça dit que... Jennifer, vous nous amenez rapidement les jus, là, on attend, on s'impatiente. Mais bon, donc, c'est bon, difficile de la parler. La dame, je crois que les deux familles sont en pourparler. Pour te lever, oui. Les deux familles sont en pourparler. Elle veut partir, il faut qu'elle parte. Parce que là, même si elle avait des sentiments pour l'homme, une fois qu'elle a dit non, et qu'avec tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, je crois qu'il faut quitter cette famille. Ou bien. C'est pour ça, moi, je disais au début... Il faut quitter cette famille. Elle a qu'à quitter, reconstruire sa vie. Parce que cette affaire d'argent, elle n'était pas obligée d'hériter. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Fidèles téléspectateurs, je crois que les conseils, tout est dit sur ce plateau. Là, c'est le moment dégustation du jus d'ananas que nous a offert notre anonyme. Mais avant, je veux bien que, très rapidement, vous nous dites les bienfaits du jus d'ananas. Ah ouais. Wow. L'ananas est un fruit qui n'est pas saisonnier au Bénin. Donc, on retrouve l'ananas en toutes les saisons. Et l'ananas est riche en potassium. Le potassium est un nutriment très important pour le bon fonctionnement du cœur. Il y a quatre faits. Oui. Allez-y. Je savais pas que Mémé, la sagesse, les jeudis, elle ne prend rien. Elle prie pour nous. Moi, hein. Je veux savoir, en fait. Oui. Tout le monde ne peut pas prendre l'ananas, c'est vrai? Pourquoi? C'est ce que j'ai appris, c'est pour ça que je pose la question. Il y en a qui sont allergiques à l'ananas. Oui, j'ai appris, c'est pour ça que je demande. Ils commencent par se gratter le corps, les parties. La gorge et tout, oui. Ok. On va quand même trinquer, non? Ah oui, hein? Adja, à votre santé. Merci, à notre anonyme. Le soir, je serai comme fou. N'est-ce pas? Merci. Et oui. La position de... C'est avec ce verre que nous disons à très bientôt. Fidèles téléspectateurs, on vous adore. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.